fortement resserré au niveau du betting. Lizzie Adizaget qui part tout à l'extérieur. Attention au départ. Allez, c'est le départ de ce prix Ali Havas avec un bon départ collégial. Notons une bonne mise en jambe côté corde de Lexi de Banville avec Lizia Desagets tout à l'extérieur. La favorite au centre, Little Aurélie s'est bien élancée. Lisa Normande s'est placée derrière les premières avec également Lily Dry. On est parti lentement avec la môme qui ferme la marche. Accélération à l'extérieur de Lizia Desagets, un petit peu isolée tout à l'extérieur par Paul Ploquin qui est donc aux avant-postes. Côté corde à l'intérieur, il y a Lexi de Banville. Troisième place pour Lisa Normande. La quatrième place pour le numéro 4, Lovely Cool. Et la favorite, Little Aurélie, qui patiente donc en cinquième position. Dans le tout près du groupe de tête, Laïka Desmar venant tant dedans, avec également Let Me Shine Gio. Et puis à l'arrière, Lara du Léré ainsi que Lily Dry, le numéro 3. Et les pouliches sont désormais devant les tribunes avec un net avantage pour Lysia Desagets qui est en tête en compagnie du numéro 6, Lexi de Banville. C'est de là avec quelques longueurs d'avance maintenant devant Lisa Normande avec en quatrième position le numéro 4, Lovely Cool. On joue les attentistes avec la favorite Little Aurélie qui est cinquième à hauteur de Laïka Desmar alors qu'on aborde la descente, toujours sous la double conduite de Lexi de Banville et également Lysia Desagets. Avec dans la partie descendante toujours Lizia Desagets pardon, qui a l'avantage, toujours en étant à l'extérieur côté corde d'Exit de Banville. La troisième place pour Lisa Normande qui vient elle aussi côté corde devant également le numéro 4 Lovely Cool. Little Aurélie est en léger retrait en cinquième position. Côté corde Laïka Desmar, Let Me Shine Gio qui vient un peu plus loin en compagnie de Lara du Léré numéro 2. Un premier temps de passage va s'afficher dans quelques instants qui doit être très très bon car l'allure a été très régulière depuis le départ. On est sur le pied de 13-9 depuis le départ avec ces jeunes pouliches de 3 ans et on le doit à Lysia Desagets qui est désormais seule en tête mais un petit peu tendue, un petit peu brillante à l'avant du peloton, toujours suivie par Lexi de Banville avec en troisième position Lisa Normande. Little Aurélie progressivement se rapproche et vient désormais en quatrième position, suivie dans son effort par Let Me Shine Gio, le numéro 10, alors qu'on la suit avec Lara Duléré, le numéro 2, de même également que Lily Dry, le 3. Direction la montée maintenant avec Lysia Desagets qui a été un peu brillante en début de course, que Paul Ploquin essaye de détendre un petit peu. Elle a toujours l'avantage pour aborder donc bientôt le poteau indiquant le dernier kilomètre. Lexi de Banville est en deuxième position, troisième place pour Little Aurélie. Lara Duléré qui tente un mouvement à l'extérieur avec également dedans Lisa Normande et puis Let Me Shine Gio qui est bien préservé par Eric Raffin et qui vient un peu plus loin en se faisant ramener. Et puis à l'arrière on note notamment le numéro 3 Lily Dry. On est passé en 14-3 au kilomètre, on est allé un tout petit peu moins vite mais la course relance maintenant avec l'attaque de Lara Duléré, le numéro 2 qui vient en troisième épaisseur. Elle vient pratiquement à hauteur de Lysia Desagets, hein, qui gère parfaitement son attaque. En revanche, Little Aurélie, pour l'instant, n'a pas pu les suivre, mais elle reste au contact en troisième position, toujours aux côtés de Lexi de Banville. Ces cinq-là qui sont devant Let Me Shine Gio, alors qu'on est bientôt à 500 mètres de l'arrivée. Avec toujours Lysia Desagets qui a l'avantage à son extérieur. Lara Duléré, troisième place pour Lexi de Banville qui va bien, alors que Mathieu Mottier sollicite un petit peu à l'encolure la favorite, mais elle est tout près du groupe de tête. Et elle va sans doute passer à l'offensive. Lysia Desagets qui va tenter de repartir sous l'attaque de Lara Duléré et puis de plus en plus fort à l'extérieur maintenant Little Aurélie. Ah, c'est un petit peu compliqué hein, pour Lysia Desagets qui en a beaucoup fait durant le parcours. Elle est débordée par Lara Duléré et Little Aurélie qui va passer à l'offensive maintenant. Elle s'assure un petit avantage au début de la ligne droite. Attention Alexis de Banville qui vient attaquer tous ses concurrents côté corde, faute du numéro 2 Lara Duléré. Little Aurélie qui a l'avantage mais Alexis de Banville refait du terrain côté corde et passe en tête désormais. Alexis de Banville qui a pris l'avantage. On finit bien avec les deux Garatou, ensuite avec Lily Dry qui vient prendre la troisième place. Victoire donc de Alexis de Banville devant Little Aurélie, Lily Dry et Let Me Shine Gio. Comme l'année dernière, c'est